m'appelle Sabrina Sainte-Marie, je suis conseillère en loisirs chez Loisirs et Sports Montérégie et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du défi Château-Neige édition 2023. Notre région administrative est fière participante du défi Château-Neige qui va avoir lieu du 9 janvier au 13 mars 2023. Alors, l'objectif du défi Château-Neige est en fait d'inciter la population à aller jouer dehors pour favoriser leurs saines habitudes de vie. Et en fait, en enfilant nos habits de neige, on va construire des châteaux de neige à l'extérieur. Une fois qu'on a fait notre château de neige, on peut le prendre en photo et aller s'inscrire directement sur le site internet au www.défichâteauneige.ca pour y inscrire notre château. Alors, il est important de respecter des consignes de sécurité lors de la construction de notre château. D'abord, c'est important qu'il soit à une distance respective là, du bord de la rue. Aussi, les châteaux ne doivent pas contenir de tunnels ni de portes, qui rend donc le château là, plus sécuritaire de cette façon-là. Faites attention aussi à vos pelles et vos instruments de construction. Assurez-vous qu'ils sont sécuritaires. Alors, le processus d'inscription est simple. Vous fabriquez votre château, vous le prenez en photo et vous allez vous inscrire donc sur le site. On veut voir vos châteaux de neige, on veut avoir le plus de châteaux de neige possible à travers toute la Montérégie. Tout le monde peut participer au défi château de neige, autant les écoles, donc dans les milieux scolaires, là, de très petits, même CPE, à très grands dans les écoles secondaires, sans problème. Vous avez simplement à créer soit un groupe pour construire ensemble votre grand château de neige, mais c'est aussi possible de le faire à la maison, dans votre cour, tout simplement. C'est aussi valable d'inscrire son château, qu'il soit dans sa propre cour, que dans la cour d'école, par exemple. Alors, le défi Château-Neige est un défi qui se passe provincialement, donc à travers tout le Québec, mais Loisirs Sports Montérégie là, coordonne le défi Château-Neige en Montérégie. Alors, la Montérégie, c'est grand, c'est large, couvre trois régions différentes, donc du sud-ouest jusqu'en Richelieu-Yamaska, donc de Valleyfield jusqu'à Grimbé. Donc, c'est un grand territoire et habituellement, la Montérégie se classe dans les premiers là, au rang du nombre de châteaux accumulés. Alors, on espère en avoir autant cette année. Alors, plusieurs municipalités aussi sont participatives au défi Château-Neige. Vous pouvez aller vérifier sur le site Internet si votre municipalité a créé un événement en lien avec le défi Château-Neige. Elle réserve une zone pour la construction de châteaux lors d'un événement hivernal. Donc, ça peut être un bon moment de se retrouver à l'extérieur pour bouger et construire notre château de neige. La neige est enfin parmi nous. C'est enfin le moment de commencer la construction des châteaux. Il y en a beaucoup. Il faut en profiter pour aller jouer dehors. Utilisez votre imagination. Faites les plus grands, les plus beaux, les plus originaux châteaux à l'aide de toutes sortes d'outils. Mettez-y de la couleur. Utilisez des snow bricks, qu'on appelle, qui peuvent aider à la construction. On peut mettre un petit peu d'eau aussi pour qu'ils puissent se garder là, en belle forme là, pour plusieurs semaines. Alors, utilisez votre originalité pour construire votre château. Plusieurs prix sont à gagner provincialement ou en région à partir du 9 janvier jusqu'au 13 mars prochain. Vous pouvez suivre le défi au www.défichâteauneige.ca ou nous suivre sur Facebook aussi où plein de publications sont faites tout au long du défi. Alors, plusieurs prix sont à gagner. Loisirs Sports Montérégie offre des cartes cadeaux venant de chez CERN et Sport Expert et de la CEPAC aussi pour poursuivre dans l'optique de garder de bonnes saines habitudes de vie. Alors, c'est parti! Le défi Château-Neige est commencé. On espère recevoir vos châteaux en grand nombre!